Aujourd'hui, dans toute une histoire, ces femmes qui vivent leur amour dans l'ombre d'une autre. L'histoire de Sophie, amoureuse d'un homme marié et qui souffre de cette vie clandestine. Il me fait aller chez lui, en plus de ça, dans le lit de sa femme. Maintenant, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle débarque. Ça le mettra peut-être devant le fait accompli et là, il sera peut-être obligé de choisir entre elle et moi. À quelle fréquence, Sophie, vous voyez votre amant ? Une fois tous les 15 jours, 3 semaines, une demi-heure, voire un quart d'heure, parce que c'est monsieur décide. Et aussi l'histoire de Désirée, maîtresse du mari de sa collègue, une situation qu'elle assume parfaitement. Sa femme, quand vous la voyez au bureau, vous pouvez la regarder droit dans les yeux, lui parler comme si de rien n'était. Ah si je la vois, je pourrais lui parler droit dans les yeux, oui. Enfin l'histoire de Martine, abandonnée sans ménagement au bout de 4 ans de liaison. Elle souhaite maintenant se venger de son ex-amant. Même s'ils se disputent entre eux, que ça met un peu la zizanie dans leur couple, franchement, ça m'est égal. Moi, je veux exorciser ma douleur. Je veux lui faire du mal et à sa femme aussi. Oui. Mais elle y est pour rien, la pauvre. Je sais, elle n'a rien demandé, mais bon... Elle avait qu'à pas être là. Voilà. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir, bienvenue. Bienvenue dans toute une histoire. Quel bonheur de pouvoir vivre son grand amour au grand jour, officiellement, devant tout le monde. Sa joie d'être un couple amoureux, ensemble et fiers de l'être. Mes invités n'ont pas cette chance. Pour elles, puisque mes invités sont EES, l'amour se vit clandestinement. Je donne aujourd'hui la parole à des femmes qui entretiennent des liaisons adultères avec des hommes mariés. Nous écouterons aussi quelques hommes mariés qui ont eu des maîtresses. Ils vous diront pourquoi ils ont le jeu dangereux de l'infidélité. Comment ces hommes et ces femmes s'aiment-ils dans la clandestinité? Peuvent-ils réussir à s'épanouir dans cette situation? Sophie, ma première invitée, en doute. Depuis plus d'un an, elle aime un homme marié. Elle attend, plus ou moins patiemment, qu'il l'appelle, collé à son portable, pour le rejoindre. Et chaque fois, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont la vie devant eux ou même la nuit devant eux. Voici son histoire. C'est toujours la même chose. On devait vous voir avec Axel aujourd'hui. Et puis, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, comme d'habitude, il va m'appeler au dernier moment. Il faut que ce soit lui qui me dise, voilà, on se voit tel jour, à telle heure. Et si moi, je ne peux pas ou s'il y a un problème, là, monsieur va faire la gueule parce que ça lui convient pas. Il veut me voir le jour où il l'a décidé. Si Sophie ne peut pas voir Axel autant qu'elle le souhaiterait, c'est parce qu'il est marié. Cela fait près d'un an que les deux amants se fréquentent et à chaque rencontre, c'est le même scénario. Axel ne confirme le rendez-vous qu'au dernier moment. Moi, je vais lui envoyer un texto parce que j'ai peur qu'il annule au dernier moment et puis qu'il me fasse faire des kilomètres et qu'il me dise « ben non, je peux pas venir, j'ai beaucoup de travail ». Ah ! Ben voilà, il me confirme. Donc, entre 16h45 et 17h, comme d'habitude, c'est ni merci, ni je t'embrasse. Oui, entre 16h45 et 17h, voilà. C'est très expéditif. Pourtant, même si Axel a peu de temps à lui consacrer, il appelle toujours Sophie juste avant le rendez-vous pour lui rappeler les consignes à respecter. Oui, Axel. Un coup de téléphone aussi expéditif que le message précédent. Ouais, je te confirme pour 16h45, 17h, mais pas plus tard, quoi, parce que j'ai pas trop le temps, quoi. Mais tu me donnes le code ou tu laisses la porte ouverte? Non, le code, non, tu sais bien, je veux pas te donner le code. Je bloquerai la porte, t'auras juste à pousser. Si pour les voisins, tu fais attention, quoi. Tu fais vraiment en sorte qu'on ne voit pas trop, quoi. Je peux te demander à quelle heure je dois partir? Faudra pas trop traîner, parce qu'elle peut rentrer à n'importe quel moment, passer 18h. Oui, je sais qu'elle arrive à ce moment-là, donc... Bon, bah écoute, à tout à l'heure, hein. Allez, bye. Je t'embrasse. Il est 16h15, il m'a dit 16h45, donc ou 17h, donc il faut que j'aille me préparer, sinon je vais être en retard. Ce que je vais mettre, que je sois au moins sexy pour monsieur. Je vais mettre ça. Je fais des efforts, mais bon, j'espère que... Enfin, qu'il prendra une décision un jour. Voilà, je vais mettre ça. Ça fait très érotique, donc je pense que ça va lui plaire. Parce que je sais très bien que sa femme n'aimait pas ce genre de choses. Et bon, comme je sais très bien que monsieur préfère me voir sans rien que avec des dessous, donc ça ira très bien. Il me fait aller chez lui, en plus de ça dans le lit de sa femme. Donc moi je me suis dit, au début c'est vrai que ça me choquait un petit peu, mais maintenant... Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle débarque. En fait, je m'en fous. Si elle vient,
c'est plus mon problème et en fait j'attends que ça. Ça le mettra peut-être devant le fait accompli et là il sera peut-être obligé de choisir entre elle et moi. À chaque fois ça se passe de la même manière, hein. Donc j'arrive, j'ouvre le portail, je longe la piscine et là j'arrive devant l'immeuble. Comme je ne connais pas son nom de famille ni le code d'accès, il laisse la porte entrouverte en bas. Sophie ne connaît donc ni le code d'entrée ni même le nom de famille de son amant. Axel ne veut prendre aucun risque. Heureux avec moi. Oui, tu m'as dit quoi? Que c'était pas... Tu peux rien me promettre. T'aimerais pas me voir tout le temps avec toi? Ok. Je suis sûre que tu serais plus heureux si tu étais avec moi. Je sais pas. Je sais rien. Tu sais, il faut que je t'aime pour venir. Hein, mmh. On se voit 5 minutes et puis je vais repartir et puis... Ok. Une heure plus tard, Sophie doit partir. La femme d'Axel peut arriver d'un instant à l'autre. J'en ai marre de le voir comme ça, une demi-heure, trois quarts d'heure. Des fois, c'est 10 minutes, même un quart d'heure. Je peux pas continuer dans cette situation, c'est pas possible. Alors pourquoi vous le faites? Parce que je l'aime. Ah. Parce que vous êtes très déçue. Oui, je suis. Très attristée à chaque fois que vous sortez de chez lui? À chaque fois que je sors de chez lui, oui. Et quand vous y allez, vous savez que vous n'allez pas rester longtemps, de toute façon. Non, si j'y vais, j'y reste une demi-heure, parce que madame peut arriver d'un moment à l'autre, mais... Vous en profitez quand même? De ces moments passés ensemble? Bien sûr, oui. Alors c'est difficile pour vous de jouer aussi le rôle de la femme humiliée, puisque vous êtes aussi une maîtresse, et cet homme a une femme. Oui. Donc vis-à-vis d'elle, j'imagine que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, vous avez des problèmes, des cas de conscience, parfois, vis-à-vis d'elle? Non. Ah oui, non. Je vous présente nos invités. Martine, bonjour. Vous étiez une maîtresse épanouie, ça a duré pas mal de temps, pas mal d'années. Hein. Oui, pendant 4 ans. Il était marié? Il était marié. Vous étiez mariée aussi pendant ces 4 ans? Je suis toujours mariée. Excusez-moi, vous étiez donc une maîtresse épanouie, tout en étant mariée par ailleurs, il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, vous vous dites presque détruite. Complètement. Que physiquement, vous n'arrivez plus à vous tenir, que vous laissez aller, que vous n'avez plus de goût à rien? Non, je suis très triste, je pleure encore beaucoup, oui, je souffre énormément de cette rupture. Et alors, vous êtes prête à vous venger, vous? Tout à fait. Je veux lui faire du mal et à sa femme aussi, oui. Mais elle y est pour rien, la pauvre. Je sais, elle n'a rien demandé, mais bon... Elle n'avait qu'à pas être là. Voilà, ça m'aurait beaucoup arrangé. Eh bien, si c'est moral, ça. Désirée est également avec nous. Bonjour Désirée, quel joli prénom. Bonjour. Vous avez des jolis cheveux, vous témoignez anonymement, j'ai vu en coulisses une très belle femme. Oui. Et pour cause que vous témoignez anonymement, puisque votre amant est le mari d'une de vos collègues. Oui, c'est ça. Je oui. répète, votre amant... Et le mari d'une de vos collègues. C'est bien ça, oui. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Et vous le vivez bien, vous? Ah, mais très bien. Je lui ai donné deux solutions, à savoir, soit on avait une relation purement sexuelle, ce qu'il ne voulait pas du tout, parce qu'il me considérait énormément, et qu'il me considère énormément, en fait. Il vous kiffe. Ouais, voilà, il me kiffe, grave. Et d'ailleurs, c'est son mot et c'est mon mot aussi. Un peu le mot de tout le monde en ce moment. Je D'accord. sais. Et votre collègue de bureau, quand vous la voyez le matin, c'est une bonne tape dans le dos à la machine à café? C'est comment ça non, se passe? Non, on se voit pas. On se voit pas. On a deux domaines différents, donc on se voit pas du tout. C'est pas trop pesant. Néanmoins, vous la non. connaissez bien. Oui. Vous assistez parfois à des réunions de famille parce que vous êtes amis avec toute la famille. Voilà. Vous nous direz c'est comment ça. Vous vivez tout ça. Mais enfin, a priori, ça vous amuse beaucoup plus que ça ne vous pèse, en tout cas. Voilà, ouais. Exact. Que se passe-t-il quand une femme trompée découvre le poteau rose? Nous verrons cela avec Léni, qui était notre invitée aujourd'hui. Bonjour Léni. Bonjour. Vous allez pouvoir nous répondre. Vous avez trompé votre compagne à 2 reprises. Votre couple était au point de non-retour. Et pourtant, Océane est à vos côtés aujourd'hui. Bonjour Océane. Peut-on pardonner? On peut. Si je suis là, c'est que je peux. Comment pardonner vraiment? C'est-à-dire tout oublier, pas garder de rancœur. C'est possible ça? Ça va prendre du temps, mais ça va quand même y arriver. Le couple est-il vraiment différent après l'adultère de l'un ou de l'autre? Très différent. Très différent, vous nous le direz également. Sarah est également notre invitée. Bonjour Sarah. Vous avez été maîtresse à votre insu? Ça, c'est incroyable, ça. C'est-à-dire que vous ne saviez pas que l'homme avec qui vous étiez était un homme marié? Voilà. Pendant combien? Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, mais quand il rentrait le soir chez lui, voir sa famille, qu'est-ce qu'il vous disait? Il me disait qu'il vivait chez ses parents et qu'il ne voulait pas qu'on se rencontre. Il avait quel âge, cet homme? Il avait 23 ans. Il avait des enfants? Oui. Vous l'avez su après, ça aussi? Oui. À quel moment vous l'avez su dans votre vie de couple avec cet homme? Quand moi-même, j'étais enceinte de 3 mois. Ça fait beaucoup, là? Oui. Vous êtes amoureuse, toujours? Non.
Mais ça a été dur. Hein. Ça a été très dur. Il faut se reconstruire après tout ça aussi. Oui. Sabrina Philippe, notre psy, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Sophie, vous avez été mariée pendant 20 ans, vous, hein? 21 ans, oui. 21 ans. Vous étiez fidèle? Oui. Pour vous, mariage, fidélité, ça allait toujours ensemble. Oui, oui, oui. Mais alors aujourd'hui, quand vous pensez à cette femme qui est avec l'homme, avec votre amant, vous avez oublié tous vos principes? J'ai oublié tous les principes, oui. Pourquoi? Par revanche? Par revanche, je pense, oui. Parce que mon mari a rencontré quelqu'un sur Internet. Et... Internet, on n'a pas fini d'entendre parler. Hein. Voilà. Donc je l'ai appris, bien sûr, au bout de... Enfin, disons que je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des choses qui avaient changé. Il s'habillait différemment, il avait des bijoux. Bon, il rentrait quand même régulièrement parce qu'il était en célibataire géographique. Disons qu'il n'habitait pas à la maison. Et un jour, il m'a annoncé qu'il reviendrait, mais pas tout seul. Donc, il est venu avec sa maîtresse. Là où vous habitiez, ensemble? Oui. Vous avez des enfants? Oui, deux. Quel âge? Et même 14 et 11. Et c'est là qu'il m'a mis dehors. Il est arrivé avec madame et il m'a mis dehors de la maison. Et dehors, dehors? Dehors, dehors. Et vous n'avez rien vu venir? J'ai rien vu venir. Vous lui posez des questions quand il est devenu plus bijoux? J'avais demandé justement pour les bijoux. Il me disait que bon, c'était des frais qu'il avait fait et qu'il avait envie de s'habiller, qu'il avait envie de plaire. Comment êtes-vous passé en quelques semaines seulement de statut de femme trompée à celui de maîtresse cachée, en quelques semaines seulement, hein? Disons que quand j'ai appris que... quand il m'a mis dehors, donc je me suis mise sur Internet et puis là, justement, j'ai rencontré Axel. Ça a été vite? Ça a été très vite, oui, vite oui, Internet, oui, 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 ça va vite sur Internet, oui, oui, et oui. Tout le monde je peut le pense faire. Que mon mari, oui, tout le monde peut le faire, voilà. Et donc, je ne savais pas qu'il était marié, bien sûr. Sarah, si vous aviez su dès le début que Pierre était marié, est-ce que vous auriez poursuivi votre relation avec lui? Non. Je savais la souffrance qu'il y aurait pu avoir après. Quel regard vous portez sur l'histoire de Sophie qui, par revanche, a accepté de se lancer dans le jeu de l'infidélité? Je conçois pas. Je conçois pas qu'on puisse accepter d'être maîtresse. J'ai jamais accepté. À quelle fréquence, Sophie, vous voyez votre amant? Une fois tous les 15 jours, 3 semaines, une demi-heure, voire un quart d'heure, parce que c'est monsieur décide. Dans un quart d'heure, il se passe quoi? Pardonnez-moi. Pas grand-chose. Oui. C'est à peine... on arrive, et puis je repars. Bonjour, c'est tout, au revoir. Voilà, oui, bonjour, au revoir. Ça vous plaît à chaque fois? Au début, ça me plaisait, mais maintenant, je ne peux plus accepter cette situation, c'est plus possible. D'autres maîtresses? A-t-il d'autres maîtresses? Non, je ne pense pas. Non, 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 non. Je sais qu'il n'y a que moi et non, j'en suis persuadée. Ou je me persuade. Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme? Beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et lui? Lui aussi. Joker, hein, quand même. Hein. Je sais qu'il m'aime. Il a combien de jokers dans son jeu, comme ça? À chaque fois que je lui pose une question qui ne il lui plaît pas, joker. C'est « il sort un joker ». Et quand vous l'interprétez, le joker, est-ce que si vous vous dites « il ne me dit pas quelque chose qu'il n'a pas rien à En fait, je pense qu'il aimerait, mais il y a trop d'enjeux derrière. Vous comprenez, Sophie, Sabrina, c'est l'histoire de Sophie, ces histoires de revanche, quand même. Moi, j'y vois une petite revanche, une petite vengeance amoureuse. Moi, je pense qu'il y a vraiment... C'est vraiment de l'ordre de la revanche, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment aussi de l'ordre de la maltraitance, là. On est dans une maltraitance psychologique, vraiment. Ah oui. Et c'est une maltraitance d'ailleurs qui se poursuit, parce que ce qu'a fait votre mari avec vous, c'était aussi de l'ordre de la maltraitance. Ah, moi, je pensais que vous parliez que de ça, moi. Voilà, non, non, mais là, de son mari et aussi de la part de son amant, on est aussi dans de la maltraitance. La maltraitance psychologique, oui. Oui. Viens de telle heure à telle heure et va-t'en. Et tu ne connaîtras rien de moi. Voilà. On est dans quelque chose d'assez violent, quelque part, je trouve. Mais les deux l'acceptent, hein, j'ai l'impression. Oui, alors après, les deux l'acceptent. C'est-à-dire que pour ce monsieur, en effet, c'est bien sûr, ça, quelque part, ça doit l'arranger. Hein. Mm-hmm. Pour vous, vous l'acceptez tant bien que mal, j'ai l'impression, quand même. Oui. Hein. Et ça vous fait souffrir. Ça me fait souffrir, voilà. Oui. Passer les premiers émois de se dire, voilà, j'ai un amant, moi aussi, je revis aussi une sexualité de femme. Oui, je suis séduisante, je suis capable de séduire. Voilà. Passer ce cap-là, ça devient très douloureux. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la maltraitance psychologique. Ça fait un an que vous jouez avec le feu, sa femme ne vous a jamais surpris pour l'instant? Non, jamais. Vous le souhaitez? Bien sûr. Vous avez pensé à aller la voir? Non, 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 non.
Je n'irai jamais la voir pour lui raconter. Je sais où elle est, je sais ce qu'elle fait, mais je n'irai jamais. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de risques selon vous? Parce que c'est quand même assez risqué de faire partir quelques secondes avant que sa femme arrive. Alors, oui, je pense qu'il prend des risques, oui, mais je pense qu'il attend le dernier moment pour qu'elle arrive. Je pense que c'est pour ça. Pourquoi? Pour provoquer le face-à-face? Pour provoquer le face-à-face, oui. Vous n'avez pas peur du face-à-face? Non, pas du tout. Ils sont méchantes avec vous? Je suis devenue... Dure? Dure. Après ce que mon ex-mari m'a fait, je suis devenue très dure. Vous avez vraiment changé? Oui. Vous avez encore de l'amour en vous? Pas beaucoup. Non. Vous attendez quoi, cet homme? Rien du tout. Non. Je pense qu'il quittera jamais sa femme. Pourquoi vous restez? Parce que je l'aime. Oui. Avec ce que vous nous dites, à savoir que vous êtes devenue une femme assez dure, que l'amour pur est quelque chose pour vous qui est plus difficile à exprimer aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé, est-ce que vous pensez que vous aimez vraiment cet homme? Oui, j'aime vraiment cet homme, oui. Qu'en pensez-vous, Sabrina, vous? Alors, je ne me permettrai pas de juger des sentiments, mais c'est vrai que parfois, on croit aimer quelqu'un et en fait, on n'aime qu'une image, une image d'amant. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut aussi partager beaucoup de sa vie. Et vous ne partagez pas beaucoup de choses. Non. Donc finalement, c'est une image, là. Mais on n'est pas dans un amour réciproque. Mais vous dites oui, Sophie, sans réagir plus que ça. Parce que... Pourquoi vous êtes venue témoigner aujourd'hui? Je suis venue témoigner pour... Tourner la page? Pour tourner la page, oui. Ah oui? Voilà, pour tourner la page et pour me faire un petit peu... Pour me débarrasser un petit peu de lui. Parce que suite au reportage, déjà, j'ai pris des distances. Ah oui. Vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive? J'ai besoin de comprendre et là, je ne donne plus du tout de nouvelles. Donc, je sais qu'il m'appelle, qu'il me demande quand est-ce que je peux venir. Et depuis combien de temps vous ne donnez plus de nouvelles? Depuis le reportage. Ça fait combien de jours? Ça fait 3 semaines. Comment il le vit? Très mal. Parce que c'est, tu veux pas me voir, moi j'ai envie de te voir tous les jours, je t'aime. Ça chauffe quoi. Oui, ça chauffe beaucoup, 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 oui. Martine, vous avez été la maîtresse d'un homme marié pendant 4 ans. Oui. Est-ce que vous pensez que cet homme quitterait un jour sa femme pour vous? Non, il avait toujours été clair depuis le début. Il resterait avec sa femme. Bon, il y a les enfants, les petits-enfants, donc non, je savais que non. Et pourquoi voulez-vous venger alors, puisque c'était clair, il vous a rien promis? Il m'a plus promis vers la fin de notre histoire, on va dire, en laissant un peu évoluer les choses, en faisant croire qu'éventuellement, il y aurait peut-être quelque chose de plus. Et puis non, ça n'a pas été le cas du tout. Mais au début, il a bien été clair en tout cas. Donc peut-être que c'est vous qui avez mal interprété les choses. Moi, je suis assez fleur bleue, donc c'est vrai que j'ai rêvé pendant 4 ans. Fleur mauve aujourd'hui plutôt. Fleur mauve, voilà. C'est avec votre fille qui vous accompagne? Voilà, deux de mes filles, en effet. Ouais. Et oui, non, c'est vrai que j'ai espéré. Ces 4 ans, pour moi, c'est quand même long, quoi. Désirée est en duplex avec nous, témoigne de manière anonyme. Vous aimeriez que votre amant divorce, si vous le proposez? Non. Non? Non, je veux pas. Ça m'intéresserait pas. Vous avez quel âge, à peu près? J'ai 34 ans. Vous avez des enfants? J'ai un enfant de 4 ans. Et vous ne souhaitez plus du tout avoir de vie de famille ou de... Non, je veux plus avoir de... Enfin, pour l'instant, ça me dit rien d'avoir quelqu'un... Dans mon foyer, quoi. Un autre homme, quoi, avec moi. Non. Et pas lui. Non, ce qui vous intéresse, c'est... C'est ce que je vis, parce que j'ai souffert aussi, et j'ai plus envie de souffrir. Donc vous en profitez. Qu'est-ce que vous vivez comme beau moment avec lui? Tout. Il me raconte tout, on se parle. La base de notre relation, c'est la discussion, et ça se passe très très bien. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, cet homme? À l'anniversaire de son fils. Quand vous l'avez rencontré à ce goûter d'anniversaire, vous avez senti tout de suite qu'il se passait quelque chose? Ouais, ouais. En plus, je sortais d'une rupture, alors j'ai senti tout de suite, et lui aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que vous sortiez d'une rupture, donc vous étiez remonté à... Avec le père de mon fils, ça c'était pas... Ah oui, d'une rupture, voilà. D'une histoire rupture. Importante. Oui, ouais. Voilà. Donc, Donc vous étiez dispo? Dans votre tête, en tout cas. Oui, oui. Parce que j'avais déjà fait le vide. Je repartais vers un nouveau départ et je m'étais mis des limites et je savais ce que je voulais faire. Donc les limites, c'était ne pas revenir... J'emprunte et je remets. Je ? J'emprunte et je remets. En place. Voilà. Comment il vous a fait comprendre que vous lui plaisiez devant sa femme? Non, par Internet, quoi, en fait. On correspondait par... Ensuite, alors? Ensuite, oui.
Et on a commencé à discuter et il m'a bien fait comprendre qu'on était deux adultes et qu'on on savait ce qu'on voulait et que voilà quoi. Il a été cash, hein, visiblement. Hein. Oui, il a été très clair, oui. Qu'est-ce qu'il vous a proposé dès le début ? Ben en fait, il m'a dit que j'étais quelqu'un qui lui plaisait, enfin, un peu tout, que j'étais son type de femme. Enfin, plus clairement, c'est plutôt sa femme qui m'a fait comprendre que j'étais son type de femme. C'est-à-dire ? C'est ça, oui. Il proposait de coucher avec sa femme et lui-même ? Non. Non. En discutant avec sa femme auparavant... Mm-hmm. Votre collègue de bureau, donc. Voilà. Des discussions entre femmes, quoi, entre collègues. On peut raconter, on peut discuter. Et c'est sorti comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui est sorti ? Bah, ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Bah, en fait, que j'étais son type de femme et que bon. Oui. Ouais, d'accord. Bah, pourquoi pas, hein, ouais. D'accord. Donc, c'est une situation un peu complexe. Vous avez préféré son homme qu'elle-même ? Oui, c'est ça. Donc, vous avez commencé une relation amoureuse et sexuelle avec cet homme qui dure depuis combien de temps aujourd'hui ? Un an, presque un an. Ça fait longtemps. Il avait déjà dérapé avant vous ou c'était la première Je suppose, oui, il m'en avait parlé aussi, donc je suppose, oui. Excusez-moi, j'ai pas compris. Je voudrais revenir sur votre collègue parce que j'ai ça en tête. Elle vous a dit que vous étiez son type de femme ou que vous étiez le type de femme de son mari ? Non, que j'étais le type de femme de son mari. Je n'avais rien compris. Je vous remercie beaucoup, madame. Ça fait du bien, d'accord, c'est plus clair pour tout le monde. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Il n'y a rien de mal là-dedans. Non, mais je me suis peut-être mal exprimé. Non, c'est moi qui vous ai mal compris, parce que visiblement tout le monde avait compris sauf moi. Donc, ah, d'accord. D'accord, donc ok. Donc lui, il vous a proposé un truc à trois, mais avec, pas avec sa femme, donc. Au départ, il voulait aussi. Il voulait un petit peu... Ah, ça j'avais bien compris. Voilà, d'accord. Il voulait un peu, et puis comme il pensait, au fur et à mesure, il a vu que ben, il ne changera pas d'avis, donc... Quels sont vos sentiments l'un pour l'autre ? Très fort, très très fort. Ah oui. On a beaucoup d'amour, on a beaucoup de complicité. Comme je vous disais, la base de notre relation, c'est la discussion, ce que chez lui, il n'a pas. Et le sexe, un peu visiblement. Et aussi, oui, beaucoup aussi, même, beaucoup. Voilà. C'est une forme de dialogue. Voilà. Vous allez encore aux fêtes de famille chez eux ? Oui, puisque bon, ils m'ont invité à leur mariage. Comme témoin ? Non, non. Ils se sont mariés après, donc si j'ai bien compris. Bah, ils se sont mariés et puis j'étais invitée, mais j'ai pas voulu venir. Et puis lui non plus, il voulait pas parce que ça lui aurait fait trop mal. C'est ce qu'il m'a dit. Ah bah oui, ça on peut comprendre quand même. Oui. Voilà. Vous êtes épanouie dans votre rôle de maîtresse ? Vous n'avez pas envie de vous mettre avec cet homme que vous aimez tant ? Vous avez peur de gâcher les choses ? Non, je suis épanouie. C'est vrai qu'il y a des moments de solitude, c'est vrai, mais... Enfin, ça a été très clair au début, hein. Je lui ai proposé deux solutions. C'était soit c'était une relation purement sexuelle ou soit c'était une relation suivie. Et il a tout de suite opté pour la relation suivie. Il voulait que ça soit très sérieux. Mm-hmm. Il m'a dit, je veux t'avoir comme maîtresse, je veux que ça soit toi ma maîtresse. Ah oui, vous avez l'impression que c'est comme une deuxième femme presque alors. Voilà, ouais. Vous avez des projets ensemble ? Oui, bien sûr. On a des projets d'avoir un enfant. Compte-t-il reconnaître cet enfant illégitime ? Oui, bien sûr, il y tient beaucoup. Tout en gardant sa famille par ailleurs, une double vie, Tout en gardant sa famille, oui, bien sûr. Ça vous convient, vous, cette histoire ? Ah oui, tout à fait. J'ai pas envie de m'embarrasser avec... On va passer ces mots, j'ai pas envie d'avoir de personnes sur mon dos constamment, quoi. Je l'ai déjà fait, j'ai trop souffert et je veux pas. Là, c'est peut-être sa femme que vous aurez sur le dos aussi, parce que... Ben, j'assumerai. Oui, j'assumerai, c'est pas un problème. On se retrouve dans un instant juste après cette coupure. Regardez, c'est peut-être votre histoire, un message de la rédaction. Vous ou votre conjoint avez été infidèle, mais vous êtes restés ensemble. Vous vous disputez tout le temps, mais vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Vous vous êtes séparés plusieurs fois, mais vous êtes à nouveau ensemble. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. On se retrouve avec Désirée, qui est donc une maîtresse d'un homme marié, avec qui elle s'apprête à avoir un enfant, tout en restant la maîtresse, pour cet homme, tout en conservant la famille qu'il a par ailleurs. Oui. Quelle serait votre réaction s'il vous disait « je divorce, maintenant je viens vivre avec toi » ? Je le quitterai. Oh, mon Dieu. Vous comprenez le choix de Désirée ? Oui. Moi, je sais que je pourrais pas, s'il en veut... C'est vrai que je lui ai demandé de quitter sa femme, mais je sais pas si j'accepterais d'être tout le temps avec lui.
parce qu'il est, il est parfois très pénible. Et il m'a dit la dernière fois, sois contente, tu n'as avec moi que les bons moments. Ah, d'accord, bon, il a prévenu au moins. Oui, il d'accord. m'a prévenu. Sabrina, que révèle le fait que Désiré ne veuille pas... vous aussi, ça vous amuse, hein, il n'y a pas que moi quand même. Que Désiré conçoive sa vie de sexuelle et sa vie amoureuse, et même sa vie de famille, puisqu'elle s'apprête à avoir un enfant de cette façon. Il y a vraiment un rejet, là, finalement, du couple en tant que tel, du couple avec enfant. Et quand il y a un rejet à ce point-là, on peut se demander voilà, comment ça s'est passé pour le couple parental, parce que il y a... Comment ça s'est passé, Désiré ? En fait, j'ai été trompée, et j'étais enceinte de moi, et il m'a trompée avec son ex-copine. Donc, moi, j'ai très mal vécu ma grossesse, j'ai très mal vécu ma relation, et je ne veux pas que ça m'arrive, donc je ne veux plus que ça m'arrive. Pour vous protéger. Hein, je... voilà. Et vos parents, vous parlez de ce modèle parental-là ? Aussi, oui. Vos parents ? Mes parents, ils n'ont rien à dire de ma vie. Hein, non, mais je parle à un couple qui est équilibré, qui s'aime, toujours ensemble ? Non, ils sont séparés. Mes parents sont séparés. À cause d'infidélité ? Pareil. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'on peut s'épanouir dans une relation clandestine, à ce point ? Alors, je ne sais pas vraiment si on veut parler d'épanouissement, là. Hein, c'est vrai que là, c'est plutôt se protéger, c'est plutôt voilà, éviter de se faire mal, éviter de souffrir. Mais s'épanouir, je ne sais pas si le terme est vraiment bien choisi. Est-ce qu'on peut être heureuse de cette façon ? À votre avis ? À long terme ? Oui. Ça vous étonnerait. J'en suis pas complètement sûre. Après, il y a des histoires d'enfants là aussi. Hein. Voilà, donc on va, voilà, si vous faites un enfant avec cet homme-là, vous ne serez plus dans la configuration amant-maîtresse, hein, mais aussi mère-père. Oui. Avec des responsabilités plus grandes. Voilà. Ça me convient comme ça. Mère-père, ça me convient comme ça. Je ne veux pas avoir quelqu'un sur mon dos tout le temps. Je pense que Sabrina, vous interrogez aussi indirectement sur cet enfant que vous avez le projet d'avoir. Oui. Là, ça implique quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir dans l'histoire. Hein. Oui, mais je ferai en sorte que les deux parents puissent savoir, enfin que les deux parents puissent pouvoir dire à l'enfant quoi, expliquer à l'enfant. C'est compliqué à expliquer parce que c'est. Bah, c'est peut-être compliqué, mais à part moi, je discute. Moi, pour moi, il faut tout dire. Il faut dire la vérité. La base, c'est la discussion. S'il n'y a pas de discussion, rien ne s'arrangera. Vous pensez qu'on peut expliquer à un enfant que cet homme, que vous préférez que cet homme reste avec sa femme et ses autres enfants, que vous préférez l'élever seul et oui, que si tant pis pour lui s'il n'a pas de papa à la maison, enfin voilà. Si je lui explique que c'est mon choix, oui, bien sûr. Sarah, qu'est-ce que vous inspire le fait que Désiré préfère rester une maîtresse à vie, voilà, un statut. Moi, je ne peux pas concevoir, et encore pire, quand elle dit qu'elle veut avoir un enfant avec lui. Moi, j'en suis malade de devoir expliquer à mon fils que son père est marié. Quoi. Bon, pour l'instant, il est petit, donc j'essaie de pas trop y penser. Quel mais, âge il a ? 3 ans. Il demande son papa ? Il le voit ? Non, il le voit pas. Il en parle comme tous les enfants parlent de leur papa. Quand il va à la crèche, c'est mon papa, c'est ma maman. Il me demande où il est, je lui dis qu'il est dans sa maison. La différence de point de vue, c'est que Désiré l'a choisi alors que vous, vous avez été piégé. Qu'est-ce que ça change au fond ? Tout ? Moi, je l'aurais jamais choisi en tout cas. Et moi, avec le recul maintenant d'avoir un enfant, si je devais lui donner un conseil, c'est de ne pas le faire. Désiré ? C'est trop dur d'élever un enfant seul déjà. Je sais, j'élève le mien de 4 ans toute seule. Et c'est dur, même si son père, il est là... À côté de temps et en temps. À long terme, vous aurez forcément envie de créer la famille que vous n'avez pas. Moi, pour le papa, la maman et l'enfant à la maison. Il y a forcément un manque. Est-ce que vous prenez le risque ? Est-ce que vous prenez ce risque ? Est-ce que le risque est acceptable ? Oui, je prends le risque, oui. J'assume complètement. Et je veux cet enfant, et lui aussi. Ouais. Attention aux dégâts collatéraux, hein. Attention à cette femme qui n'y est pour rien, votre collègue de travail donc. Oui, je sais, ouais. Mais attention aux autres enfants. Il en a aussi discuté avec elle, hein, au cas où il viendrait à avoir un enfant par accident dehors. Et comment il en a discuté avec elle, clairement ? Ben, en fait, c'était sur lors d'une émission de radio, sur je sais plus quelle... et en fait, il lui a fait comprendre qu'il lui a carrément posé la question... si j'avais un enfant... Si j'avais, je venais avoir un enfant à l'extérieur. Alors elle lui a dit, si c'est par accident, ça va, mais si c'est une relation suivie... Ça me pose problème. Ça, oui.
Et lui, il le sait très bien, donc je pense aussi qu'il sait comment il faudrait qu'il s'y prenne avec elle. Je répète, attention aux dommages collatéraux, attention aux vengeances des épouses, attention aux dégâts sur les enfants. Martine est restée pendant 4 ans la maîtresse d'un homme marié. Pendant 4 ans, elle est aujourd'hui accompagnée d'une de ses filles. Elle a vécu avec lui une folle passion. Et puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Alors là, tout s'est vraiment arrêté pour vous. Regardez. Il y a 4 ans, Martine rencontre Didier sur Internet alors qu'elle est mariée depuis plus de 20 ans. Très rapidement, ils deviennent amants. Martine tombe amoureuse. C'est dans ce genre d'hôtel qu'on se voyait, vu qu'on avait peu de temps à passer ensemble. Mais c'est vrai que pour moi, une relation d'amour, c'était pas ça, quoi. C'était plus, j'aurais bien aimé qu'on se promène, qu'on aille au ciné, au resto. Alors que là, c'est un peu sordide. Mais bon... Pour moi, c'était déjà quelque chose de formidable de passer 2 heures avec lui, même dans ce genre d'hôtel. À l'époque, même s'il est marié, Didier n'a de cesse de prouver son amour à sa maîtresse. Martine pense que c'est pour la vie. Alors ça, c'est le médaillon qu'il m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc, écrit « Je t'aime » dessus. Voilà, j'étais toute contente. Et du coup, ça me rappelle le premier « Je t'aime » qu'il m'a dit est le plus beau de toute ma vie, quoi. Yeux dans les yeux, il avait les yeux remplis de larmes, moi aussi. Il me disait en fait qu'il avait jamais connu ce sentiment de toute son existence, d'aimer à ce point quelqu'un. Il pensait même pas que ça lui arriverait, quoi. Je crois que je me rappellerai de ce « Je t'aime » toute ma vie. Malgré l'amour qu'elle porte à Didier, Martine reste avec son mari, qui est au courant de toute l'histoire. Pourtant, elle ne supporte pas de savoir son amant loin d'elle. J'étais super malheureuse, d'autant plus quand il partait en vacances avec sa femme. Alors là, c'était vraiment le sentiment d'abandon et pour moi, c'était catastrophique, quoi. Pendant 4 ans, ça a été vraiment très destructeur pour moi. Je me suis usée la santé, je me suis scarifiée. Donc, vous voyez, j'ai des cicatrices au bras. Je m'en suis fait là, partout. Enfin, je m'en suis fait aussi sur le ventre. J'en ai à peu près 27. C'était vraiment trop fort, quoi, trop passionnel. Jusqu'au jour où Didier est surpris par sa femme. Il coupe alors définitivement les ponts avec Martine. 2 mois plus tard, elle n'a toujours pas fait le deuil de cette liaison. J'ai un amour encore très fort pour lui. D'ailleurs, je m'étais fait faire mon tatouage pendant notre relation et je crois que ça restera gravé aussi bien sur ma peau que dans mon cœur à tout jamais, quoi, parce que... Enfin, je sais pas, je l'aime toujours et je crois que je l'aimerai toute ma vie, quoi. Martine, ces scarifications et ces tatouages, je les ressens comme si vous aviez voulu imprimer à vie cet amour sur votre corps parce que vous ne saviez qu'il n'allait pas durer. Alors, excusez-moi, je me mets à la place de Sabrina, je fais un peu le psy de service, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Le tatouage, oui, c'est sûr, mais les scarifications, c'était plus dans des moments douloureux. Pour faire sortir la douleur, pour voilà. Avoir mal ailleurs parce que oui. L'impression de me faire mal à l'extérieur pour pas avoir mal à l'intérieur. Ce sont des ados qui nous disent ça habituellement. Vous êtes ressenti ado près de lui ? Comme c'est un homme de 58 ans, c'est vrai que je me suis sentie quelque part un peu plus adolescente. Par la différence d'âge ? Oui. 4 ans avec lui ? Oui. Comment ça a démarré ? Sur Internet. Oui, c'est facile, quoi. C'est facile et c'est facile pour tout le monde, y compris quand on n'habite pas une grande ville, y compris quand on ne sort pas. Tout à fait. Et pourquoi vous avez eu besoin de rencontrer quelqu'un d'autre à ce moment-là de votre histoire ? Mais c'était pas du tout un besoin, c'est arrivé vraiment par hasard. Je veux dire, moi je suis restée mariée et fidèle. Je veux dire, mon mari a été le seul homme de ma vie, même avant. Et c'est vrai que c'est arrivé comme ça, quoi. Votre mari l'a su ? Vous lui avez dit ? Un an après. Non, je lui ai pas dit, il l'a su en m'entendant au téléphone. Vous aviez envie de vous faire surprendre ? Non, pas du tout. Non. Vous voulez pas lui faire du mal ? Je voulais pas lui faire du mal parce qu'il mérite pas du tout. Et puis je savais que si je me faisais surprendre, quelque part, ça allait être plus dur de trouver des excuses pour partir de la maison, quoi. En quoi cette histoire a été, quand elle a démarré, une révélation pour vous par rapport à ce que vous viviez avec votre mari ? Je sais pas, ça m'a fait... Vu que j'avais connu personne avant mon mari, je me suis mariée très jeune, à 18 ans. Mmh. Et c'est vrai que j'avais envie d'autre chose, quoi, quelque part. Qu'est-ce que vous avez découvert avec lui ? L'amour, le sexe. Sabrina, Martine voyait son amant 2 fois par mois. Sophie, elle, attend des instructions extrêmement précises pour aller à ses rendez-vous. Est-ce qu'on peut aimer dans ces conditions ? Est-ce qu'on peut aimer dans ces conditions ? J'ai envie vraiment de poser la question. Est-ce qu'on s'aime soi-même assez pour vivre ces conditions ? Non. Non, déjà, je ne m'aime pas moi-même, donc... Ah bon ? Non. Et donc, il faut aujourd'hui que vous repreniez confiance en vous. Il faut que je reprenne confiance en vous, à moi, parce que je n'ai plus aucune confiance en moi. Est-ce que vous vous aimez ? Pas du tout. Voilà. Non. Là, vous vous préparez à faire d'immenses dégâts dans la famille de cet homme. Oui. Comment vous avez pesé le pour et le contre ?
Et pourquoi vous avez embarqué vos enfants dans l'histoire? Bah, c'est venu un peu, en fait... Je veux dire, Stéphanie a découvert des nouvelles tenues vestimentaires, des choses que je portais pas du tout avant, avec son père, en fait. Et elle a découvert toute seule, quoi. Vous en avez pensé quoi? On peut pas en penser grand-chose quand c'est sa maman et son papa, donc... On ne juge pas, en tout cas. Ne juge pas, jamais. Parce qu'on sait pas ce qu'on est amené à vivre, nous. Donc, on laisse faire, on épaule, et quand il y a de l'amour, ça suffit. Aujourd'hui, vous épaulez votre maman, oui. Même à provoquer le scandale. Vous avez été jusqu'à appeler la femme de l'amant de votre mère pour lui dire quoi? Tout simplement, en fait, il s'était eu au téléphone juste avant et lui n'a pas pris du tout ses responsabilités. Il a raccroché en disant « débrouille-toi, je ne veux plus entendre parler de toi ». Il jouait le grand, le malheureux auprès de sa femme et c'est quelque chose que je n'ai pas supporté. Quand on fait une erreur, on l'assume jusqu'au bout. Et il ne pouvait pas se permettre de détruire maman sans en subir les conséquences. Ce n'est pas lui qui a subi les conséquences, en l'occurrence. Enfin, lui c'est aussi, sa femme. Mais bon, malheureusement, sa femme n'était pas stupide. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre les choses au clair. Parce que sinon, c'est maman qui le faisait. Et je pense, malheureusement, beaucoup plus violemment que moi. Donc, qu'est-ce que vous lui avez dit à cette femme? Elle était déjà au courant de toute façon de l'histoire. Et je lui ai dit qu'il n'assumait pas. Elle a tout à fait compris. Elle a voulu lui passer le téléphone pour qu'il assume la situation, ce qu'il n'a pas fait. Donc on a discuté un bon moment et malheureusement, elle a dit qu'elle n'était pas non plus complètement aveugle et que ça faisait un moment qu'elle le savait, que c'était déjà la deuxième fois qu'elle se faisait avoir. Donc, Ils sont toujours en couple aujourd'hui, hein? Pardon? Ils sont toujours en couple aujourd'hui? Oui, je pense, oui. Martine, j'ai l'impression que vos yeux brillent et que vous avez l'impression de tenir votre revanche. Je ne sais pas, quelque part, j'ai tellement souffert, je me suis tellement investie à tout point de vue, quoi. Je veux dire humainement, financièrement, parce que chaque fois, c'était moi qui payais l'hôtel, les trajets, c'est moi qui les faisais, donc... Ça, c'est un peu... C'est pas l'image qu'on a trop d'un amant et d'une maîtresse, quoi. Normalement, non. Enfin bon, c'est pas ça le plus important. C'est pas le plus important. Non, je le faisais avec plaisir. Mais bon, je me disais quand même, au bout d'un moment... Alors, il avait toujours les bonnes excuses. Oui, mais ma femme, c'est elle qui me donne l'argent. Donc, elle va se douter. Bon, donc moi, bien gentil. Et si je voulais le voir, de toute façon, j'avais pas le choix, quoi. Il y a 2 mois, vous êtes donc séparés. Vous n'avez pas encore tourné la page. Vous avez donc extrêmement du mal à assumer son choix. Il a fait le choix de ne plus vous voir et de rester avec sa femme. La majorité des personnes dans ce cas essayent d'oublier, d'essayer de construire autre chose. Vous avez décidé de vous venger. Après la rupture, je l'ai harcelé. Je lui ai envoyé au moins 10 de mails par jour, des textos, mais j'ai eu aucune réponse. Ça n'a rien donné, quoi. Ma stratégie n'a pas fonctionné, visiblement. Ça devient plus possible, ça fait 2 mois aujourd'hui qu'il a décidé d'arrêter notre relation. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment passer à la vitesse supérieure. Je vais lui envoyer une lettre adressée au nom de monsieur et madame, pour être bien sûr que les deux la lisent. Et ça sera ma façon de me venger, de mettre terme enfin à cette relation qui m'a fait trop de mal. Et ouais, je suis triste. Je lui dis que s'il avait eu le courage de me téléphoner ou de se connecter pour me dire les choses en face... Je pense que ça m'aurait montré que je ne m'étais pas trompée sur lui à ce point et que ce n'était pas qu'une histoire de sexe, mais une histoire d'amour. Et Avec cette lettre, Martine va renvoyer à Didier les poèmes qu'il lui avait écrits. Des poèmes qu'elle avait déchirés et qu'elle recolle aujourd'hui avec l'aide de ses filles. Elles ont toujours accepté la liaison de leur mère et ne lui en ont jamais voulu de tromper leur père. Le rêve devient réalité. Les mots enfin deviennent... C'est pas beau, ça. Je voudrais être ce poète qui, par magie, illumine ta vie. Mais tu parles d'une illumination. Mais souvent, les phrases enfouies. Je pense que sa femme va adorer. Des fois, il faut être un peu égoïste. Et même si ça lui fait du mal à elle et à lui, ben, toi, ça va t'aider à passer à autre chose. Et puis après, tu recommenceras une nouvelle vie. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans l'enveloppe. Une carte qu'il m'avait envoyée du Kenya quand il est parti en vacances avec sa femme. Je mettrai aussi les mails que j'avais déchirés, les poèmes que j'ai reconstitués. Je les mettrai aussi dans l'enveloppe. Voilà, bien adressé au nom de monsieur et madame. Martine va peut-être briser un couple, mais elle est déterminée à se venger. Pour elle, c'est une délivrance. Même s'ils se disputent entre eux, que ça met un peu la zizanie dans leur couple, franchement, ça m'est égal. Moi, je veux exorciser ma douleur en leur donnant, en fait. Voilà. Je leur remets dans cette lettre tout ce que j'ai ressenti moi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la douleur.
Faire mal aux autres, ça soulage soi-même, vous pensez ? Je le croyais, en tout cas. Et puis visiblement, non, quoi. Cette lettre a été postée il y a combien de temps ? Il y a un mois, à peu près. Pas de réponse ? Pas de réponse à la lettre, pas de réponse au mail, rien. Vous êtes déçu ? Je m'y attendais quelque part. Et de mêler vos filles à cette histoire, vous le regrettez ? Vous y pensez parfois ? Ah oui ? Oui, oui, ça oui. Non, mes filles, je les mettrai plus dans la confidence, ça c'est sûr. Elles ont trop souffert. C'est vrai ? À ce point ? Oui et non. Au moins, quand elle n'était pas bien, on savait pourquoi c'était. C'était pas à cause de nous, c'est pas parce que ça allait pas bien à la maison. C'est important que les enfants le sachent, ça, ouais. Et on savait que c'était extérieur et on pouvait l'épauler pour ça. Là, c'est pas seulement que de la vengeance. Je pense quand même, très honnêtement, que inconsciemment, ce que vous auriez voulu, inconsciemment ou même consciemment d'ailleurs, ce que vous auriez voulu, c'est que la zizanie soit telle qu'il y ait séparation du couple et que cet homme revienne vers vous. Oh, c'est ce que vous voulez encore, ça, même, non ? Sachant qu'il m'a toujours dit que même s'il se passait quelque chose avec sa femme, il ne vivrait pas avec moi. Donc, je pense que sincèrement, j'attendais un retour, soit positif, soit négatif, mais pas rien, quoi. Donc, j'ai provoqué. Alors, j'ai essayé les mails gentils, les mails méchants, les lettres, et rien, quoi. C'est Sarah qui doit bouillir, là, en ce moment. Oui. À 19 ans, comment vous êtes devenue la maîtresse d'un homme sans savoir qu'il était marié ? Je suis sortie avec un garçon comme toutes les filles de mon âge. On a vécu une histoire pendant 6 mois. On sortait, on allait en boîte de nuit, on voyait ses amis. Et on a décidé d'avoir un enfant. Enfin, c'est surtout lui qui m'a demandé d'en avoir un. Et enceinte de 3 mois, il m'a avoué qu'il était marié. Mais vous n'aviez pas essayé de vivre ensemble ? Vous n'aviez rien envisagé de sérieux dans votre vie quotidienne ? Pourquoi vous avez dit oui pour avoir cet enfant ? Parce que je l'aimais. Et il vous disait que dans ce cas-là, il allait venir vivre avec vous ? Oui. Que quand on allait vraiment décider d'avoir l'enfant et de le faire, il viendrait vivre chez moi. Comment vous avez appris une fois que vous étiez enceinte que lui-même était papa de son côté ? J'avais des doutes, quand même. Parce que... On n'allait jamais chez lui, où il ne me présentait pas ses parents. Il disait qu'il habitait chez ses parents. Oui. D'habitude, c'est les filles qui disent ça. C'est vrai. Et quand on a décidé d'avoir un enfant et qu'il ne me présentait toujours pas ses parents, je lui ai posé la question quand même. Il a toujours détourné. Il disait que quand on serait vraiment sûr de nous, il me les présenterait. Le temps a passé, j'ai été enceinte. Le temps a passé et vous êtes enceinte, ça c'est pas... Le temps passé, vous avez quand même décidé d'avoir un bébé avec lui. Oui, mais je ne le pas tous les jours pour savoir pourquoi il ne me présentait pas ses parents, quoi. À la limite... Vous acceptiez d'avoir un bébé avec lui, sans avoir essayé de vivre ensemble ? C'est pas reproche, Sarah. Vous étiez toute jeune, hein, vous aviez 20 ans. Ouais. On allait vivre ensemble quand l'enfant allait être conçu. Oui, mais il y a beaucoup de perversité, je vois là-dedans. Ouais. Beaucoup de manipulation. Oui. Il savait ce qu'il faisait, vous pensiez ? Je pense, oui. En vous demandant d'avoir un enfant, il voulait vous tenir ? Oui. C'est de la manipulation. La grande perversité, ça. Hein. Et je suis d'accord quand elle parlait de maltraitance. C'est de Sabrina. La maltraitance psychologique. C'est une horreur. Non, mais tout à fait, là. On est vraiment dans une perversion. C'est... 4 ans après, même avec le recul, il m'a détruit. Il m'a humiliée, il m'a salie. Et puis maintenant, vous devez devenir mère, par ailleurs, en plus. Oui. Et en même temps, vous avez gagné, quelque part. Oui. Puisque vous avez refusé cette relation... Voilà. Je l'ai quand même accepté 3 ans, finalement. 3 ans par intermittence, parce que moi, je tenais pas le coup plus de 6 mois consécutifs. Parce que tous les soirs, à le voir rentrer chez lui, il dormait jamais chez moi. C'était jusqu'à 5h du matin, et voilà. C'était quand même, moi, plus régulier, et pas 10 minutes ou un quart d'heure. Il venait chez moi tous les soirs. Il restait tard. Vous arriviez à être heureuse avec lui dans ce moment-là ? Vous posiez pas trop de... Enfin, vous saviez plus trop ce que vous faisiez, quoi. Avec le recul, je pense pas avoir été si heureuse que ça. Corinne et Martine disent, s'ils claquent des doigts, je reviens tout de suite. Et vous ? Non. Sûre ? Sûre. Ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. Ils me recontactent quand même, soi-disant pour le petit. C'est pas pour le petit. Comment il vous a dit qu'il était marié, finalement, qu'il était pas chez ses parents, mais qu'il était bien chez sa femme et ses enfants ? Cash. Je suis mariée. Ça vous lui dit je suis enceinte ? Oui. Et il vous répond je suis mariée ? Non. Ça a été au bout de... J'étais enceinte de 2 mois et demi à peu près.
Et quand je lui ai dit, il faudrait peut-être qu'on s'installe ensemble, justement, que tu viennes vivre à la maison, que je lui présente mes parents, qu'il me présente ses parents. C'est là qu'il m'a dit, ça va pas être possible. Je suis mariée. J'ai un enfant. Et sa femme était aussi enceinte. Là, c'est le monde qui s'écroule, hein. À 20 ans, ouais. Donc moi, sa femme a accouché en janvier et moi en juin. Et vous ? En juin. Oui, donc ce sont deux frères et sœurs qui ont 6 mois de différence, quoi. Voilà. 3 mois après avoir mis au monde un petit garçon qui s'appelle Théo, c'est vous qui avez recontacté cet homme ? Oui. Qu'est-ce que vous en attendiez ? Après l'accouchement, là, j'ai eu un manque affectif et je sais pas, l'effet ventre vide, peut-être. J'avais besoin d'un homme à mes côtés. Je voyais ce petit bout de chou qui me disait qu'il n'allait pas avoir de père. Vous pourriez être la maîtresse d'un homme marié aujourd'hui à nouveau ? Non. Sûr ? Sûr. En plus, vous ne l'avez jamais choisi, vous. Pour moi, j'ai jamais été maîtresse. Oui, vous ne l'avez jamais su. On est maîtresse quand on le choisit. Bien sûr. Moi, j'étais la numéro 2. Sans le savoir. Sans le savoir. Vous pensiez être la numéro 2 après sa mère ? Ce n'était pas le cas. Non. On reçoit aujourd'hui une majorité de maîtresses d'hommes mariés. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses que les amants ? Vous avez une idée là-dessus, Sabrina ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être différent entre justement la femme qui va tromper son mari et l'homme qui trompera sa femme. C'est vrai qu'on voit plus souvent des femmes être dans le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'elles ont un amant et de ce fait, elles décident parfois de quitter leur mari plus soudainement, on va dire, parce qu'elles sont amoureuses, parce qu'elles décident de recréer un autre foyer. Alors que c'est vrai que pour l'homme, il peut multiplier ses conquêtes. Sans que ça lui pose plus de problèmes que cela. Pour certains, on ne peut pas faire de généralité, mais pour certains, oui. Léni est sur notre plateau avec Océane à ses côtés. Vous avez trompé votre compagne. Pour quelle raison, vous sauriez dire aujourd'hui ? J'ai eu une vie tout le temps pareille. On s'est dit, bon, un petit changement. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble ? 13 ans. Ah oui, vous faites très jeune, donc c'est pour ça que ça me surprend. Comment expliquez-vous ce besoin soudain de nouveauté ? Parce que vous n'aviez rien fait pendant 13 ans, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain ? Je ne sais pas si ça s'explique. On peut dire que bon, on peut partir en vacances, on peut avec des copains, on peut après tomber sur, un plan, je ne sais pas. Quoi. C'est ce qui vous est arrivé ? Voilà, quoi. On peut pas dire que ça va être prévu, ni que... Puis voilà, quoi. C'était une aventure d'un soir, au départ ? Au départ. Puis après, c'est devenu une relation suivie. Quel mensonge vous inventiez vis-à-vis d'Océane pour pouvoir aller voir votre maîtresse ? Pour aller voir, je suis au billard, comme je ne suis pas déjà du genre à sortir beaucoup, donc je pense que j'ai galéré voir un copain, vite fait. C'était grillé parce que je ne sortais pas déjà beaucoup. Quoi. Grillé, Océane ? Exact. Grillé assez vite ? Bien grillé. Bien grillé ? On va dire même très cuit. Ah oui. Trop cuit. Trop cuit, immangeable. Comment vous l'avez surpris ? Ou démasqué, en tout cas ? De par son comportement. Il a commencé à être très froid, très distant. C'est plus le même personnage, en fait. Il est présent, mais l'homme est présent, mais l'esprit n'était plus là. Il n'était pas là. Il était là, mais il n'était pas là. Il n'était pas là, voilà. Je dois me contenter de sa présence, et puis c'est tout. Vous avez tout avoué, Océane ? J'ai tout avoué au bout d'un moment, parce que ça ne servait plus à rien, quoi. Quand on se fait griller, soit on dit la vérité, ou soit on se casse, quoi. Bon, ça veut dire que bon, moi, j'ai fait ça pas parce que je l'aimais plus, parce que je vivais une certaine continuité, une vie pareille tout le temps, et au bout d'un moment, il faut lâcher, quoi. Aviez compris qu'elle avait compris ? Ah oui. Oui. On dupe pas une femme facilement comme ça. Oui. Quelle tête avait-il quand il a compris que vous aviez compris, Océane ? Ben, c'est pas que je juge, hein, les personnes de couleur, mais de noir, il est passé à blanc. Comment vous avez mis fin à votre liaison, Léni ? J'ai dit à la personne en question que que c'était pas censé avoir, ça devait pas avoir lieu, et puis que j'aimais encore ma femme, quoi. Et quand elle a su ça, elle m'a fait comprendre que je lui avais fait des promesses alors que non, et que ça n'allait pas se passer comme ça. Pareil. C'est allé plus loin là, parce qu'il y avait un bébé qui était dans l'air, si j'ai bien compris. Soit 10 ans pour pouvoir me garder peut-être. C'est je elle sais qui pas. Disait que. Ouais, elle me disait ça, et puis elle faisait des petites crises vite fait. Vous m'expliquez comment vous êtes rentré dans votre t-shirt quand même, parce que là, je dois dire, on le coud sur vous, non ? Beau gosse, hein ? Vous avez réussi à mettre fin à cette... Parce que là, vous avez vu, les maîtresses, quand elles se déchaînent, ça fait mal, hein ? Ouais, ça fait très mal, mais j'ai pu mettre fin à... assez bien.
Puis comment l'histoire a reprise ensuite entre vous deux? Comme si c'était rien passé, Océane, ou vous avez voulu vous venger de cet affront? Me venger, non, mais il s'avère qu'à un moment donné, quand on vous fait comprendre qu'on ne vous aime plus, que c'est terminé, bien que j'avais vraiment du mal à l'accepter, parce que moi, c'était mon amour, ça fait quand même 13 ans, c'est pas ni un mois, ni... Voilà. Donc, ça, c'était vraiment très difficile au départ, déjà, de concevoir qu'il y avait une liaison, mais en plus... L'idée qu'il y ait des relations non protégées, parce que s'il y a un bébé qui pouvait être dans l'air, c'était le cas aussi. Si, mais j'ai fait un test, c'est-à-dire quand on a, moi avant de faire, je lui ai proposé quand même qu'on fasse un test, on avait fait ce test, au cas où si on venait à avoir une relation sans, une fois... Test HIV, hein. Voilà, ouais. Au cas où on venait à avoir une relation sans se protéger, puis on a fait ce test-là avant, quoi. Parce que, voilà. Vous l'avez su que c'était des relations non protégées? Par la suite, oui. Sur le moment, non, bien sûr. Ça a changé quelque chose pour vous? Oui, mais en même temps, non. Puisque même s'il y a eu un test, il y a quand même eu une relation, en fait. Mmh. Vous savez, le test, on ne le regarde pas tout de suite. Oui, d'accord, il y a un test, mais quand même, tu as eu une relation, donc c'est pas pareil. Oui, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas la maladie qu'il n'y a pas eu une relation, voilà. Ça voulait dire. Vous avez l'air assez cool, quand même, je trouve, Océane. Ben oui, bien sûr. C'est votre nature. Oui. Comment vous êtes réconciliés, tous les deux? Ben écoutez, pourquoi ne pas redonner une chance? Ça arrive. Vous en avez bien discuté le monde. Comment vous avez posé les choses? Ah si, pour ça. Ouais. Non, c'est important, parce qu'il ne faut pas partir n'importe comment. Hein. Des nuits et des nuits, on a discuté, ouais. Ouais. Ouais, bien. Du jour, comme la nuit, c'était. On remet tout à plat, on redémarre. Puis voilà, c'est reparti. C'est de comprendre ce qui s'était passé? Oui, mais c'était la monotonie, c'était du changement, c'était... Alors comment vous avez répondu à cette monotonie? Moi, comment oui, j'ai répondu? Oui. Bah, il y a eu changement physique, et puis il y a eu d'autres choses, il y a eu... Le sujet était moins tabou, on parle vraiment ouvertement, alors qu'avant c'était un peu les cachonneries, c'était... Donc c'était une bonne chose finalement? Oui, si on peut dire. Être trompé, ne pense pas que ce soit non. Une bonne chose. Non, il y a eu des moments où vous avez vraiment très très mal vécu les choses. Vous avez même pensé aller voir un autre homme? Oui. J'y ai pensé. Vous l'avez je l'ai fréquenté pendant 2 semaines. Pour me faire du mal. Mais c'était vraiment... Si je voulais vraiment le pour tromper... Pour foutu canard. Si je voulais vraiment le tromper, je pense que je l'aurais fait immédiatement. Ça aurait été vraiment une histoire d'un soir. Ça y est, moi aussi, je sais ce que tu as pu ressentir. Je l'ai fait. Vous ne l'avez pas fait? Non. Vous n'avez pas voulu le faire? Non, c'était pas l'envie. J'avais pas envie. Comment vous êtes entre vous aujourd'hui? Cool. Une histoire qui finit bien, ça arrive donc. Merci à tous d'avoir accepté de nous parler de ce sujet secret, tabou et parfois sulfureux. Bonne route à tous, quels que soient vos choix. Il semble bien compliqué d'aimer dans la clandestinité, en tout cas, c'est ce qu'on aura retenu de cette émission. Merci à tous d'avoir témoigné avec autant de sincérité. À très bientôt.